πατέ τη συγκατρίσιον, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ πραείς και επιβεβικός επί ώρων και επί πόλων. Aujourd'hui, notre émission Orthodoxie est l'invité de la métropole de Saint-Pétersbourg. Que signifie aujourd'hui la religion et l'Église en Russie, et plus particulièrement ici dans cette somptueuse ville située au nord de ce pays immense? En compagnie d'Alexis Konovalov, un Belge d'origine russe, nous visiterons plusieurs lieux hauts de cette ville, toujours en effervescence. Des lieux qui ont tous en commun le partage de la foi et de la vie orthodoxe. Commençons par la naissance de la ville sur les berges de la Neva. Saint-Pétersbourg commence en 1703. Pierre le Grand, Pierre Ier, décida de construire une ville au nord, à l'embouchure de la Neva. D'abord, il construit une citadelle, c'est la forteresse Pierre et Paul, qui est là pour empêcher les Suédois d'entrer sur le territoire russe. Dans son dessein de bâtir une nouvelle ville, le tsar Pierre le Grand fera appel à une équipe d'architectes et d'ingénieurs, tous venus de l'étranger. Ce seront des maîtres constructeurs italiens, allemands et hollandais qui imprimeront à la ville son style occidental typique. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la ville portera le nom de Saint-Pétersbourg en l'honneur de son saint patron protecteur, l'apôtre Pierre. Après la révolution bolchevique, la ville sera d'abord rebaptisée Petrograd et puis Leningrad. En 1991, la mairie de Leningrad décide de faire un référendum et demande au peuple s'ils veulent redonner le nom originel à la ville de Leningrad, et ils ont dit oui. Et donc en 1991, Leningrad est redevenu Saint-Pétersbourg. C'est autour des années 1700 que Pierre le Grand ira chercher appui auprès des puissances occidentales dans son combat contre l'Empire ottoman et contre la Suède. Et c'est ainsi qu'il arriva aux Pays-Bas où il se fit enseigner les techniques de construction maritime. À son retour en Russie, il créera la marine russe et Saint-Pétersbourg deviendra une ville maritime de premier plan. À côté de son rôle maritime, Saint-Pétersbourg devint également un centre important pour l'Église orthodoxe. L'histoire ecclésiastique commence avec la création de la ville, évidemment, en 1703. Pierre Ier construit une église non loin de la forteresse Pierre et Paul, une église en bois, qui exista sous différentes formes jusqu'en 1933. C'est bien sûr, ce n'est pas la seule église de Saint-Pétersbourg. Il y en a beaucoup à Saint-Pétersbourg. Souvent, les églises furent construites pour commémorer, pour remercier Dieu aussi. Accompagnés de nos guides, nous visitons quelques-unes des superbes églises au centre de la ville. Certaines cathédrales sont des incontournables du circuit touristique traditionnel pour ceux et pour celles qui passent par Saint-Pétersbourg. Ces églises témoignent de la richesse de l'histoire de l'Église orthodoxe russe dans cette ville. Saint Isaac's Cathedral is one of the finest cathedral churches built in Europe in the 19th century. This small cathedral was several times restored, rebuilt, and in the 19th century this fourth Saint Isaac's Cathedral was built on this place. Yes. And this cathedral was the main church of Russian Empire.
because Saint Petersburg was the capital of Russia. Saint Isaac est une des plus grandes et plus imposantes églises en Europe. Les habitants de Saint-Pétersbourg ne sont pas peu fiers de voir le nom de leur cathédrale cité à l'égal de la basilique Saint-Pierre de Rome, de la cathédrale Saint-Paul de Londres et du Duomo de Florence. Les nombreux touristes s'émerveillent de la splendeur intérieure de l'église, richement parée d'or et de marbre. Les nombreuses icônes et les mosaïques sont comme des caresses pour les yeux. Plus de 20 artistes russes de renom ont participé à la décoration de la cathédrale Saint-Isaac. On the center part of the altar, very big and beautiful stained glass window. It's not typical for Russian Orthodox Church. It's typical for Catholic Church. But Russian Emperor Nikolai I, he liked Catholic architecture and he ordered to make this stained glass window for Saint Isaac's Cathedral. В обычные дни 150-200 человек, а когда идет богослужение большое, по великим праздникам главного алтаря, то приходит здесь до 3-4 тысяч человек. Un autre bâtiment remarquable de la ville est cette église haute en couleur, située au long d'un canal de Saint-Pétersbourg. We are now in the Church of the Resurrection of Christ. It's the official name. But it's more known as the Church of the Savior on the Blood. Because it was constructed to mark the place where Russian Emperor Alexander II was assassinated. And to mark the spot, the church was constructed. And it was constructed for 24 years to a design of a Russian architect, Alfred Poland. And it was opened in the beginning of the 20th century in 1907. Cette église est décorée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de pas moins de 7000 mètres carrés de mosaïques. Face aux grandes différences de température courantes dans le nord de la Russie, les mosaïques fournissent une protection efficace contre les difficiles conditions climatiques. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui encore admirer cet incroyable ensemble pictural. Here we can see the main icon of the church, the icon of the resurrection of Christ. It's quite unusual also for an Orthodox church because usually we don't have the depiction of the resurrection because nobody has saw this event, and that's why it's quite unusual for churches of Russia. And here we also have another very unusual icon. It's in the top cupola. It's the icon of a Christ of 12. He's 12 years old here. Yes, and it's quite unusual because he's usually depicted either a baby or on 30 years old. And yeah, iconostasis is quite unusual for Russian Orthodox churches because usually we have multi-tier iconostasis. Here only one tier, and it's typical of traditional Russian iconostasis that were in the ancient Russia. And then they were made of wood. Here the iconostasis is made of marble, but the colors of marble is similar to those of wood. And that was made intentionally. Avant 1917, l'église il était ne fut que un. Après, tout changea évidemment avec la Révolution. L'Église commença à être persécutée. Elle fut persécutée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Malgré les persécutions, l'Église possédait encore de l'influence et du pouvoir. Staline ne l'ignorait pas et c'est ainsi qu'il permit la réouverture des églises au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, la fin de la guerre signifia aussi un regain de persécution pour les croyants orthodoxes. Depuis la perestroïka,
la société russe dégèle progressivement, permettant à la religion et à l'Église de retrouver leur place au sein de la société civile. L'Église a survécu, oui. Bon, tout d'abord, c'est la grâce de Dieu. Tout d'abord. En second lieu, ce furent les babouchki, les grands-mères. Les grands-mères qui étaient vieilles, qui n'avaient plus beaucoup à vivre. Et donc, ce n'était pas vraiment la peine de les persécuter. Lors de notre visite à Saint-Pétersbourg, nous avons pu constater par nous-mêmes le renouveau de l'Église orthodoxe russe. Ici, dans l'église de Kazan, les gens vénèrent publiquement les icônes et les reliques. Ils font patiemment la file pour vénérer la célèbre icône de la Mère de Dieu de Kazan. В 1811 году и он был посвящен иконе Божьей Матери Казанской, которая находится у нас с левой стороны от царских врат. Икона, почитаемая в городе. Эта икона была принесена по повелению Петра I, когда строился город, и принесена была из Москвы по повелению его, и положена была в основание города Санкт-Петербурга. Так пишется у нас в наших летописях. И она почитаемая, потому что, вот вы смотрите, сейчас стоит народ, это каждый день вот такой вот очередью шланге идут люди к иконе, прикладываются, молятся и просят ее. À la périphérie de la ville se trouvent le cimetière et la paroisse de Smolensk. Cet endroit est un lieu de pèlerinage très populaire où sont conservées et vénérées les reliques de Sainte Xenia. Xenia de Saint-Pétersbourg est la sainte patronne de la ville. La tradition rapporte que Xenia a parcouru les rues de Saint-Pétersbourg pendant 45 ans habillée de l'uniforme militaire de son mari, distribuant sa fortune aux plus pauvres de la ville. Son corps repose dans le cimetière de Smolensk, dans une tombe au-dessus de laquelle une chapelle a été élevée. Xenia a été déclarée sainte par l'Église orthodoxe russe en 1988. Потому что там нет воды, холодной воды, там нет такой живительной воды. А когда колодец наполнен этой живой водой, благодатной водой, этой силой благодати Божией, то тогда народ идет, и тропа к этому колодцу не зарастает. И вот я это часто объясняю, что вот Ксения Блаженная – это тот часовня, это тот колодец с водой живой, к которому приходят люди, получают радость, получают просимое, получают все необходимое для себя, питаются, наполняют своей этой духовной водой свою душу, свое сердце и получают радость от питья этой живой водой, которая исходит по молитвам Ксении Блаженной. Plusieurs paroisses de Saint-Pétersbourg connaissent une véritable renaissance depuis quelques années, comme nous avons pu le constater à la paroisse de la cathédrale Féodorovski, au centre de la ville de Saint-Pétersbourg. L'histoire a commencé dans les années 90, à l'époque de Perestroïka, quand il y avait un certain réveil spirituel en Russie. Et il y avait un moment quand Yeltsin a redonné à l'église beaucoup des bâtiments qui appartenaient à l'église autrefois, et notre paroisse, notre cathédrale était dans cette liste. Mais pendant 15 ans après, elle était encore elle était utilisée comme usine de lait. Donc on a commencé avec une petite chapelle qui était construite des matériaux très simples. C'était encore l'époque d'une grande pauvreté. Et on a commencé dans cette pauvreté avec les prières, avec le catéchisme, avec une petite vie fraternelle, une petite communauté. Et peu à peu, Dieu a fait ce miracle. Parce que finalement, il y avait un homme qui est venu pour le catéchisme et à la fin, il a trouvé
les gens qui voulaient sponsoriser cette église. Comme ça, tout est très mélangé. Dans ce bâtiment qui servit pendant longtemps de laiterie, on trouve en fait deux églises. Une cathédrale majestueuse à l'étage supérieur et une deuxième église dans la crypte qui se trouve sous la cathédrale. L'iconostase de cette dernière est bien entendu plus petite que sa grande sœur, offrant aux fidèles et aux clergés une plus grande proximité mutuelle lors des célébrations liturgiques. Cette manière de célébrer en petits groupes de fidèles remonte aux origines du christianisme. From the first moments, we put the aim, such an aim that this territory, this place of our parish must be not only the place of praying and serving before icons and in the church, but also to create the space for spiritual and I should say cultural communication, that people will see each other, brothers and sisters, first of all in Christ, but also wider. There is a lot of liberty. There is a lot of freedom in our parish. And everyone can find his place. We have biblical group here. Every Monday we meet to read Bible and to pray and to read Bible and to share how Bible touch our heart. Depuis le début que je suis venue ici, je rencontrais beaucoup de joie, je rencontrais beaucoup de jeunes qui sont devenus mes amis. Et c'est l'essentiel en fait. Et on peut jamais vivre sa foi hors d'une paroisse où tu te sens pas comme à la maison. St. Petersburg is a very cosmopolitan city, and I can only speak for St. Petersburg that I have experienced nothing but courtesy and friendliness from particularly the priests and deacons that I know in the Orthodox Church. Peter the Great, of course, wanted St. Petersburg to be a cosmopolitan city with all, and invited all different religions to come here. And I think that spirit obviously still remains. So my experience as a Roman Catholic priest here has been very positive. En 1710, Pierre Ier décide que, ici, à l'endroit où nous nous trouvons maintenant, dans la laure de la Trinité Saint-Alexandre Nevski, il décide donc de construire un monastère. Pourquoi ici? Parce que, selon la légende, c'est ici, à cet endroit-ci, que le grand-duc Alexandre Yaroslavitch, mieux connu sous le nom de, Saint-Grand-Duc Alexandre Nevski, a vaincu les Suédois. Et donc, pour commémorer cette victoire, Pierre Ier décide donc de construire un monastère. D'abord une église, puis un monastère entier. Очень тяжелое время коснулось Александра Невской лавры, непосредственно всех тех монахов, которые жили до 1932 года, которые были расстреляны на Никольском кладбище. Здесь у нас на территории монастыря был закрыт последний храм, храм Святого Духа. И после того, как
было разграблено и вынесено все церковное имущество, церковная утварь. В 1957 году открылся вновь Троицкий собор, в котором мы сейчас находимся, где мы служим сейчас. Троицкий собор, бывший Александра Невской лавры. Как такового монастыря уже не было. И здесь находились в корпусах по всему каре оборонные предприятия «Прометей». Также здесь было и общежитие, и приезжали люди, которые знатоки исторических карт. Здесь было какое-то некое такое училище военно-морского флота. То есть все это отразилось на жизни города, но как монастыря не было. Только потом, в 1996 году монастырь открылся вновь, и на сегодняшний день в монастыре 44 человека, насельников. Le territoire du monastère accueille également les bâtiments de la métropole, où sont regroupés les services du métropolite Vladimir et de son diocèse. Nous y sommes chaleureusement reçus et faisons la connaissance de quelques collaborateurs. Your Eminence, Most Reverend Father, my dear guests, now we are in the Portrait Hall of St. Petersburg Diocesan Administration, and here you can see the portraits of all the ruling bishops of St. Petersburg Diocese. From the beginning of the history, from the beginning of the being of St. Petersburg as a capital of Russia, and also till nowadays. So our diocesan administration, and especially newly ordained bishops, they do a lot to work with the youth and to preach them the words of the gospel. And also the second part of our life is a social projects. So we have, for example, the only one hospice for children in Russia, which is working in frames of our diocese. I work in the information department of our metropolia, of our diocese, and here we work under very important issues of our church life. For example, we have several sites. We have our church informational agency, and moreover, we have a print media, for example, this magazine. This magazine is devoted to our metropolia church life. It talks about famous priests, bishops, famous events in our church life of our city. La métropole de Saint-Pétersbourg utilise des moyens de communication modernes pour transmettre le message de l'Église. Voici une station de radio et une antenne locale de la télévision orthodoxe, Soyuz TV. Основное наше вещание делится, ну, наверное, одна треть это новости. Еще одна треть это всевозможные беседы и проповеди. И одна треть приходится на телепередачи, ну, там, о родном языке, об истории, о святых местах паломничества, либо какие-то социальные передачи. Вот, например, отсюда, из Санкт-Петербурга, мы делаем программу об участниках хора духовенства. Наверное, это в основном, если касаться нашей программы, это телефонные звонки. Но также в сети интернет у нас достаточно мощный интернет-ресурс, и мы получаем непрестанно отклики в виде email и сообщений в социальных сетях, как ВКонтакте. L'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg décerne aujourd'hui les diplômes aux étudiants. La cérémonie débute par la divine liturgie présidée par le recteur de l'Académie, l'évêque Ambroise.
le métropolite Vladimir procède en personne à la proclamation des résultats. Санкт-Петербургская духовная академия является одним из старейших духовных учебных заведений Русской православной церкви. Если говорить о духовном образовании в Петербурге, то ему скоро будет почти 300 лет. Но, собственно, реформированной духовной академии более 200 лет. И сегодня мы продолжаем те традиции, которые были заложены еще предшествующими поколениями. Η Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετροπόλεως μας δέχτηκε και εμένα και την αδερφή μου με τόση αγάπη. Ο σχολάρχης μας δέχτηκε πραγματικά σαν παιδιά του, που μόνο ευγνωμοσύνη πηγάζει από μένα, ειδικά για την Ακαδημία και για το ρωσικό λαό. Сегодня день выпуска. Очередной день выпуска выпускников нашей Академии, семинарии, Регенского иконописного отделения. Это праздник, и вместе с тем день с оттенком некой печали. Потому что мы прощаемся с теми людьми, которые долгие годы здесь провели, становление которого здесь происходило. И эти люди, становясь священнослужителями, церковнослужителями, выходят на широкие просторы не только России, но и всей необъятной территории канонической ответственности нашей церкви. Екатерина 408. Факультет иностранных студентов окончили. Архимандрит Амбросий Паразилевский в Греции. Паразилу Арсения. Το γεγονός ότι βιώσαμε τον ρωσικό πολιτισμό και τη ρωσική ζωή είναι σημαντικό για να καταλάβεις το πώς σκέφτονται και λειτουργούν εδώ οι άνθρωποι και η Εκκλησία. Πρόσφατα, λίγο πριν το Πάσχα, επισκεφθήκαμε με το σχολάρχη μας και μια μεγάλη ομάδα 50 ατόμων το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Καπαδοκία, τα Μοίρα της Λυκίας, την Έφεσο. Κάναμε ένα μεγάλο προσκύνημα, ξεκινώντας από το Φανάρι, από το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, όπου είχαμε συνάντηση με τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος μας δέχτηκε πραγματικά σαν, εγώ έτσι τουλάχιστον το αισθάνθηκα, σαν παιδιά της Μητρός Εκκλησίας, όπως είμαστε όλοι. Και ο ίδιος ο Πατριάρχης ευχαρίστησε πολλές φορές τον σχολάρχη για το ότι δίνει τη δυνατότητα σε κληρικούς και λαϊκούς τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να έρχονται εδώ πέρα να σπουδάζουν. Και ο ίδιος επεσήμανε το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπόρεσαν και έζησαν μαζί με τους εδώ ανθρώπους, είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε οι σχέσεις των δύο εκκλησιών να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Thank you.